Bonjour à tous. Alors, je rends cette vidéo publique pour expliquer le contenu de la yeshiva. Attention, les vidéos sont très courtes. La yeshiva, on ne va pas apprendre toutes les traditions du judaïsme, surtout moi qui suis chrétien, qui me suis fait baptiser pour ne plus vivre ces règles compliquées, mais les accomplir au quotidien. C'est-à-dire la prière deux fois par jour, c'est contenu dans le Talmud. Hein. Le matin, le soir, c'est un minimum. Les nœuds qu'il faut pas faire pendant Shabbat, la manière de dresser un seder pendant Pessah, tout ça, vous le trouvez dans des livres. C'est pas en vidéo que je vais vous expliquer tout ça. C'est compliqué, il y a la disposition, il y a la manière de faire le nœud. C'est des choses qui sont un petit peu trop compliquées. Il faudrait que je scanne des documents. Mais le blog n'est pas très utilisé par les internautes. Donc c'est des vidéos courtes sur la signification de ce que c'est qu'être juif. Dans la yeshiva, on l'étudie. La signification de la judaïté. La halakha principalement, mais aussi midrash, talmud. La signification de ce que c'est, du rôle que les juifs ont à jouer sur terre.